Après des mois de labeur, de fatigue et de panique, je touche enfin le bout. Je compose un petit chef-d'œuvre, un air jazzy sympathique, un vrai bijou. Et les paroles bien acides et cyniques de la société, le reflet subtil, en contraste avec la musique, m'avait bouffi d'orgueil infantile. Satisfaite que je cours près de m'attendre, mon doux soleil, et lui déclare: tiens-toi prête, sur le champ tu vas entendre une merveille. Fébrile, je place le casque sur ses deux oreilles et j'enclenche le bouton play. Et là, dès les premières mesures, je vois sa bouche qui devient dure. À voir ses yeux, je crains le pire, je sais que bientôt je vais souffrir. Enfin l'écoute achevée, plein d'une niaise attitude, je lui dis: qu'est-ce que t'en as pensé? Tout transpirant d'inquiétude. Alors là, c'est l'hécatombe, je manque de m'évanouir sous la critique. L'analyse est une bombe, mes paroles sont plates ou pires, académiques. Très chouette.